Ils sont sortis ce matin pour dire leur désarroi. Deux panneaux qui se font face racontent l'origine de leur inquiétude. L'enquête publique en cours avec sa cartographie et les panneaux en lettres rouges de la convocation. Les habitants du secteur d'Irima font leurs analyses. 28 immeubles au fond du vallon et l'addition des non-solutions inquiète vraiment les riverains. Ce sont des réseaux qui ont été faits récemment. Ils doivent faire moins de 10 ans. Et aujourd'hui, avec tous les eaux pluviaux qu'il y a, nous sommes revenus encore 20 ans en arrière. Ouais, donc tu crées une catastrophe, quoi. Il y a une catastrophe totale. C'est peu dire que le projet de 224 appartements irrite. Le maire de la commune, dans un style éduqué mais ferme, énonce de très nombreuses réserves. Les riverains ont emprunté la voie étroite qui devrait amener au collectif d'immeubles. Un chemin en indivision, ses propriétaires voudraient le garder. Un autre casse-tête comme des arguments pour les opposants. Ici, vous voyez, c'est un entonnoir. Chaque fois qu'il pleut, on a de la boue, les gens en bas, c'est inondé. Je pense qu'il faut faire des projets, mais plus adaptés, plus petits. En l'état actuel des choses, le projet est un peu surdimensionné déjà. Donc, il faudrait peut-être revoir sa copie et puis dire, tenir compte un peu de tous ces gens-là qui habitent aux alentours, puis la faune et la flore qui existent sur place. Une pétition circule, 650 signatures auraient été apposées. Aujourd'hui, une partie des chèques débute. Promoteurs, citoyens, ces derniers ne sont pas rétifs à toute construction. Ils demandent un projet plus mesuré pour ne gâcher ni l'environnement, ni la future vie quotidienne. Nous, on est contre aucun projet, quoi, mais c'est le projet qui est aujourd'hui proposé, il est complètement inadapté au site, quoi. On en suivra, hein, puis on sera attentif. Ouais, les gens sont déterminés ? Ah oui, déterminé, oui, parce que là, on est sur une hérésie et surtout, on a l'impression qu'on est quand même, on n'est pas pour le service de la population, quoi. Une certitude, la veille citoyenne va continuer à s'organiser à Arouet.